Exactement 30 minutes à Korokope dans la préfecture d'Anié, même heure à la Sarawo dans la Kouza. C'est l'heure de la messe médiatique sur la paroisse Bon Berger de votre chaîne télévision d'Israël et dont l'évangile est composé de 5 chapitres, à savoir le recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition. L'avant-projet de loi finance 2023, le forum national sur le dialogue social, l'attaque terroriste repoussée dans le Bengale et la situation au Sahel où les forces spéciales françaises sont priées de déguerpir. Tout ça à égrener avec Germain Essorana Pouli, directeur de publication du magazine Togo Réveil, à qui je souhaite une cordiale bienvenue sur ce plateau dans cette messe. Bonjour Germain. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de TV2. Merci d'avoir fait le déplacement de la paroisse pour nous accompagner dans cette messe et j'espère que la rédaction se porte bien. Oui, grâce à Dieu, la rédaction de Togo Réveil se porte bien, malgré donc les difficultés qui sont communes à toutes les rédactions. Vous savez qu'il y a eu la pandémie, après il y a cette crise économique due à la guerre en Ukraine, et donc ces deux événements ont eu des conséquences sur l'économie en général. Et vous savez que les entreprises de presse ne sont pas des entreprises fortes, elles étaient déjà fragiles. Oui. Donc avec cette crise-là, vous imaginez ce que nos rédactions subissent, donc globalement, et donc, mais grâce à Dieu, ça va. Et je profite pour féliciter et remercier mes collaborateurs, oui, parce qu'ils travaillent dans des conditions assez difficiles, mais on tient le cap, ils sont toujours engagés, dévoués, donc grâce à eux, ça va. Donc je profite pour leur dire merci et leur souhaiter du courage. La route est longue, mais ça ira. Je me joins à vous pour leur dire merci également, les féliciter et surtout féliciter toute la rédaction pour la garniture en matière d'information et la diversité des informations que ce magazine offre, un magazine de 12 pages. 16 pages. 16 pages, c'est pas facile dans ces conditions-là, mais non seulement il est régulier, mais aussi il est très diversifié en informations. C'est l'effort de toute l'équipe qui se bat au quotidien. Voilà, Adam Adjounou devait être avec nous, mais aux dernières nouvelles, il nous annonce son indisponibilité à être sur ce plateau. Nous espérons le retrouver la prochaine fois. Il faut dire que la dernière fois, c'est mon ami ici présent qui m'avait également échappé, comme entre guillemets, pour ses compagnies, pour des raisons aussi involontaires. Hein. Ouais. Aujourd'hui, Dieu merci, il est là. C'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, ça et là, et je crois que Adam nous retrouvera également la prochaine fois. Et je profite pour vous dire merci pour cette promesse tenue. Vous avez dû faire tout pour être là aujourd'hui. C'est plutôt nous qui vous remercions pour ce rendez-vous hebdomadaire auquel vous nous associez. C'est toujours un réel plaisir d'être à vos côtés. Donc comprenez que vraiment, c'est la mort dans l'âme, avec dans l'incapacité surtout, ce qui a fait qu'on n'était pas là la dernière fois, et je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Donc vivement que le week-end prochain vous réitérez l'invitation à mon confrère Adam,
et qu'il vienne aussi honorer de sa présence sur un de vous auquel nous tenons et pour lequel aussi nous vous remercions pour tous vos efforts pour le perpétuer et pour pouvoir satisfaire donc les téléspectateurs. Cette messe serait une vaine chose si les techniciens ne m'entouraient pas de leurs soins. Eux, c'est Ibrahim Maki Kadal, et de l'autre côté, c'est toujours c'est Alexandre Tchalim qui est encore là pour nous distribuer à travers vos petits et grands écrans. Alors, le recensement général de la population et de l'habitat 5e édition appartient désormais et définitivement à l'histoire, prévu pour être clôturé le 12 novembre et repoussé de 4 jours. Cette opération a été définitivement clôturée le 16 novembre dernier. Mais les gens continuent par se poser des questions sur la crédibilité, l'effectivité et la fiabilité de cette opération quand on regarde les imperfections constatées et les difficultés auxquelles ont fait face les agents recenseurs sur le terrain tout au long du processus, surtout à son début. Germain, que retenir de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat? Que retenir, c'est qu'il y a un exercice auquel nous devons commencer à nous habituer, c'est celui de pouvoir donner des informations parfois intimes qui nous concernent et qui entrent précisément dans le cadre de cette opération et qui ont pour objectif donc de permettre à nos autorités, aux dirigeants et à leurs partenaires de collecter des données qui leur permettront donc de prendre de bonnes décisions pour nous satisfaire. Donc c'est une opération entièrement tournée vers le développement des pays. On a envie de savoir combien de population, combien nous sommes en termes de population, combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants, leur âge, le secteur d'activité, leurs habitudes de consommation, leurs besoins et un certain nombre donc de réponses qui ont fait l'objet des questions qui ont été posées donc par les agents recenseurs à toutes les familles, à tous les ménages donc qui ont été touchés. Et il ne s'agit pas seulement d'une opération qui concerne les Togolais, mais elle concerne tous ceux qui résident sur le territoire national, donc y compris les communautés étrangères qui vivent ici. Donc c'est dire que c'est une opération générale, comme son nom le dit, le recensement général de la population de l'habitat, qui va permettre donc au gouvernement de prendre la décision avec plus de précision, donc pour satisfaire les besoins. Donc que retenir, vous l'avez dit tantôt, il y a eu quand même des difficultés au démarrage de cette opération, des difficultés dues à un manque de communication, il faut le dire. Dès le départ, ça a été rattrapé après et ça a été amélioré justement avec la rallonge, le fait de prolonger cette opération. Et donc au début, il y a eu des réticences parce que les populations n'étaient pas suffisamment informées de ce qui se passait. Certains estimaient qu'ils avaient été enrôlés pour les élections, donc pour le recensement électoral, et ils pensaient que ce n'était pas utile pour un deuxième recensement, quand on sait qu'on refait la liste, on révise la liste électorale qu'à chaque fois des élections. D'autres aussi, dans le sillage des réformes fiscales qu'il y a au Togo, et surtout avec l'annonce du début de paiement de la taxe d'habitation, les gens avaient estimé qu'il s'agissait d'un recensement fiscal pour mieux les identifier afin de leur demander de payer des taxes et des impôts, ce qui aussi a fait des réticences. Et puis plus généralement aussi, vous savez que les Togolais n'ouvrent pas facilement leurs portes, même si on dit qu'on est un peuple hospitalier. Quand vous venez demander des renseignements, les gens ne sont pas si ouverts pour vous les donner, surtout quand ils ne vous connaissent pas, surtout quand ils n'étaient pas au courant que vous allez arriver. Donc c'est un peu les difficultés
quand il y a eu les agents recenseurs, mais après, je crois que le gouvernement qui est partenaire à cette opération avec le PNUD a dû reprendre un peu les choses en compte et réorienter donc la communication et la médiatisation de cette opération, l'utilisation aussi d'autres canaux qui ne sont pas forcément médiatiques. On a eu à utiliser aussi des personnes ressources dans les communautés, les leaders religieux ont dû s'engager, la société civile, un certain nombre d'élus locaux aussi, donc un travail beaucoup plus conséquent a été fait. Et donc par rapport à cela, je crois que le gouvernement s'est dit, ben, maintenant que l'information passe, on ne peut plus tenir dans le calendrier originel, il faut le remodifier. Et donc il y a eu 4 jours de prorogation de cette opération qui a pris fin donc mercredi dernier et qui aurait permis, en attendant d'avoir le bilan général, de recenser un plus grand nombre et donc d'atteindre les objectifs assignés à cette opération-là. Nous avons tenté en vain de pouvoir avoir sur ce plateau un des responsables qui pilote ce projet de recensement. Nous n'avons malheureusement pas eu quelqu'un, sinon on aurait déjà la primeur des informations par rapport au bilan en termes de population et d'habitat. Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous étions environ 7 millions. Combien sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous atteignons 8 millions comme pour faire le dixième de la planète de tout le monde, puisque le monde c'est 8 millions, mais 8 milliards, ouais. Pardon, de population. Alors, j'aimerais observer de près ou de loin même, on dirait que le recensement a été plus celui d'habitat que de population. Lorsqu'on observe toutes les maisons, effectivement, tous les bâtiments sont griffés, sont marqués, preuve que les recenseurs sont passés par là, mais lorsque vous entrez dans certaines maisons, vous posez des questions, il paraît qu'il y en a qui ont vu les traces sur leur bâtiment, mais n'ont jamais reçu ou n'ont pas reçu la visite des recenseurs. Soit ils arrivent, il n'y a personne, ils repartent, ou alors ils ne sont pas du tout rentrés. On a l'impression qu'il y a eu, ce recensement a été plus celui d'habitat que de population. Bon, je crois qu'il faut déjà faire les deux. C'est l'objectif, il faut recenser les habitations, il faut recenser maintenant les personnes qui y vivent. Alors c'est vrai ce que vous dites, on peut arriver dans une maison et ne pas trouver tous les habitants de cette maison. Ça c'est un fait, c'est une réalité. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des maisons qui a été marqué, qui n'ont pas du tout été visités? Bon, là, je n'ai pas d'informations pour corroborer un peu ce sentiment que certains ont eu. Mais c'est évident que toutes les maisons qui ont été visitées, dans toutes les maisons qui ont été visitées, tous les habitants peuvent ne pas être là. Au moment où les agents recenseurs sont là. Donc maintenant, est-ce que les autres ont pu communiquer des informations intéressante donc pour ces équipes-là? À toutes ces interrogations, on ne pourra qu'attendre le bilan de cette opération-là pour savoir si finalement les objectifs sont atteints. Mais je crois qu'à mi-parcours, il y a quand même un bilan qui a été fait qui semblait dire que les choses évoluaient de façon satisfaisante. Donc en plus des 4 jours, certains ont jugé 4 jours insuffisants, d'autres ont estimé que c'était largement suffisant. Bon, maintenant les 4 jours sont passés. On attendra le bilan pour savoir si c'est satisfaisant finalement, globalement, et quels sont les résultats donc finaux de ce recensement. En réalité, à la fin de ce processus, on devrait réunir la presse pour pouvoir faire le point en conférence de presse. Est-ce que on vous a invité? Non, nous n'avons pas reçu d'invitation. Bon, je ne sais pas s'il y aura un point qui sera fait, mais l'essentiel c'est de collecter les données
l'essentiel, c'est de le publier. C'est vrai que le recensement n'est pas prioritairement destiné aux populations. Il est destiné aux décideurs qui agissent au nom de la population et pour la population. Mais je crois qu'après une telle opération, l'accoutumée, on en a eu il y a 10 ans. Les chiffres ont été communiqués. Est-ce qu'il y aura maintenant une rencontre avec la presse pour échanger sur le bilan, les résultats et globalement sur l'opération? Je ne sais pas. Tout dépendra donc des structures chargées de cette opération-là. Mais ça serait un bel exercice si on pouvait le faire comme ça. Maintenant, on attend les résultats, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on fait 8 millions? Je pense qu'on va dépasser les 8 millions. On va pouvoir faire au moins le millième de la population, sur 100, plus de 193 pays. Si le Togo ne fait pas le millième de la population mondiale, c'est vrai qu'il y a la Chine, l'Inde, l'Indonésie, des pays comme les États-Unis et autres qui font le plein, mais je crois qu'on a besoin de 8 millions et plus de Togolais pour faire les 8 milliards et nous aurons sans doute contribué pour atteindre ce chiffre de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Par rapport à la population mondiale, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée de la nationalité du 8 milliardième Non, peut-être que ça peut être un neveu de Eric. Il peut être togolais, pourquoi pas. Non, mais c'est toujours des estimations. Je ne pense pas que c'est un chiffre rond. Et ça évolue assez vite. Vous savez qu'en une journée, il y a des centaines de milliers de naissances dans le monde. Donc, si le SIDA n'était pas. Pardon, si le COVID-19 n'était pas passé par là, et puis. Il faut dire qu'on atteindrait alors 9 milliards, hein, parce que le COVID-19 a ravagé pas mal de populations, que ce soit à Chine, aux États-Unis ou ailleurs encore. Oui, c'est vrai que Covid a fait les ravages, mais bon, je ne pense pas que ça atteint la proportion d'un milliard d'habitants. Ça ne fait même pas 100 millions d'habitants. Enfin, je pense que ça fait des dizaines de millions d'habitants, mais je ne crois pas. J'avais le chiffre, je l'ai oublié, mais je ne pense pas que ça atteint 100 millions de morts dans le monde. C'est possible, mais je ne pense pas. Surtout dans sur notre continent, il n'y a pas eu trop de désastres. C'est beaucoup plus en Europe, en Amérique aussi, qu'il y a eu assez de dégâts, surtout dans les populations âgées. Ouais. Merci. Nous attendons, comme vous l'avez dit, les prochains jours pour voir combien sommes-nous au Togo maintenant. Et je crois que nous aurons tous, chacun, hein, de quoi être nourris. Quand on était 7 millions, c'est à peine on trouvait le repas, les 3 repas par jour à se partager. Maintenant que nous sommes 8 millions, bon, avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes, est-ce que ce ne sont pas encore des soucis qui vont encore s'associer à ce que nous avions déjà? Prions seulement que, comme le dit Karl Marx, l'humanité ne se crée que des problèmes qu'elle peut elle-même résoudre. Prions que les populations supplémentaires puissent venir avec des solutions. Oui, je crois que c'est vrai que il y a quelques années, quand vous êtes nombreux, ça devient un problème. Plusieurs pays ont appliqué des politiques de limitation de naissance. Et surtout les pays occidentaux. Alors aujourd'hui, plus de 50 ans après, on constate que les populations vieillissent dans ce pays-là, et c'est ce pays-là qui ouvre les portes d'une certaine immigration avec un certain nombre de profils d'étrangers qu'ils veulent pour venir les aider à travailler, parce que justement il n'y a plus de main-d'œuvre, il n'y a plus de personnes valides, parce qu'ils ont pratiqué des politiques qui se sont révélées finalement des échecs. Alors il y a quelques années toujours, quand on prenait un pays comme la Chine, qui reste toujours le pays le plus peuplé, on estimait que c'était le problème de faire des enfants.
Mais aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance économique et on comprend que le nombre de Chinois aussi a joué dans l'ascension de ce pays, dans vers le sommet de l'économie mondiale. Donc, les enfants ne sont pas forcément un problème. Vous savez aussi, notre continent a subi la même chose. Entre-temps, ceux qui étaient pour cette politique de limitation des naissances se sont lancés sur l'Afrique, estimant que les Africains ne savent que faire des enfants et qu'il fallait limiter avec des programmes de planning familial par-ci, par-là. Et les Africains ont suivi, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en Chine, on comprend qu'une grande population, c'est vrai, en termes de jeunes et de femmes, c'est des problèmes. Mais en même temps, si ces populations-là arrivent à se mettre au travail, c'est une grande machine de production dont on dispose. Et donc la Chine en a fait la preuve, des pays comme l'Inde aussi, qui étaient dans la misère parce qu'ils étaient nombreux aussi, aujourd'hui deviennent des puissances économiques, d'autres pays comme l'Indonésie aussi qui vient en troisième position. Donc, et ça montre assez clairement qu'aujourd'hui, être nombreux n'est pas forcément synonyme de famine. Si chacun arrive à travailler et à produire, on peut même en avoir pour nourrir d'autres. Donc je crois qu'il faut qu'on s'inscrive dedans. Dans notre, sur notre continent, il y a le Nigeria qui est le pays le plus peuplé. Ce n'empêche pas qu'il soit aussi de temps en temps la première puissance africaine. Donc je ne pense, c'est vrai qu'il y a toujours la misère dans ce genre de pays. Tout le monde ne trouve pas à manger, mais globalement c'est une force. Et puis il faut que nos dirigeants arrivent à trouver des moyens pour amener les populations à s'investir et à travailler. À être plus productif. Et c'est toute la question. Donc être 8 milliards. C'est vrai, on peut se dire, on ne mangeait pas déjà assez, est-ce que ça ne va pas s'aggraver? Mais au même moment, si les mentalités changent, si les solutions sont trouvées, je crois que c'est plutôt une opportunité pour se développer, ce nombre important-là. Mais aujourd'hui, la Chine en a fait la preuve, encore une fois, le nombre de personnes n'est pas un handicap au développement et ce n'est pas synonyme de pauvreté. Je reviens au Togo pour parler de ce recensement qui a pris en compte les étrangers. À la conférence de presse, si jamais je dois être aussi, vous y serez, il faudrait insister qu'on nous fasse la part des choses. Combien sont togolais et combien sont étrangers? C'est-à-dire qu'on fasse la part des choses pour connaître la différence entre les togolais nationaux et les togolais non nationaux. Ce serait important. Oui, non, ça fait déjà. J'ai l'impression quand on rentre dans certains quartiers qu'il y a plus d'étrangers que de nationaux. Non, ils savent avec précision qui sont les étrangers. Et en plus, aujourd'hui, le Togo a revu aussi ses lois sur l'immigration. Mais bien avant cela, quand on fait le recensement, on sait. Vous savez, il y a quelques années, l'ambassade du Nigeria réclamait 800 000 citoyens au Togo. Ouais, il y avait 800 000 Nigérians ici au Togo. Donc, c'est connu. Je crois que chaque ambassade a une idée du nombre de citoyens qui vivent. Certains sont déclarés, d'autres ne le sont pas, mais plus ou moins il y a une idée. Et puis avec ce genre de recensement, on connaît quand même les chiffres. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément communiquer sur ces chiffres? Je ne pense pas, mais l'État ou les concernés, les acteurs concernés peuvent les utiliser. Mais on sait à peu près qui sont les communautés les plus denses dans nos pays. Donc c'est pareil un peu partout dans le monde. Vous allez dans un pays comme les États-Unis, on vous dira que les Chinois sont les plus nombreux aux États-Unis. Avant, il y avait les Italiens, les Irlandais et tout ça. Mais aujourd'hui, donc, vous comprenez que dans tous les pays, on a quand même une idée, surtout avec ce genre d'opération. On a une idée de qui est là. Après aussi, c'est vrai que l'immigration n'est pas toujours contrôlée. On passe aussi par les ambassades aussi pour avoir des estimations. Donc, les Nigériens, ils sont assez nombreux. Les Nigériens, oui, les Libanais, les Indiens. Je crois que le Togo est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui a
ouvert sur l'étranger, qui est ouvert surtout sur les investissements étrangers. Et on facilite les investissements ici, on a envie d'attirer les capitaux étrangers. Et donc c'est une politique quand même aujourd'hui qui est en marche. Et quand vous voyez le développement des grandes villes et surtout de la capitale, vous allez voir que aujourd'hui c'est vrai que ça aussi son revers c'est la cherté de la vie, parce qu'aujourd'hui plus les communautés étrangères s'installent, plus les choses deviennent chères. Vous allez voir, le loyer augmente parce que les propriétaires se disent, si les étrangers sont capables de payer plus cher, parce que chez eux généralement c'est plus cher, les nationaux aussi doivent faire un effort pour augmenter un peu. Donc ça fait qu'un certain nombre de choses grimpent, mais c'est la même situation dans toutes les grandes villes qui sont ouvertes sur le reste du monde. Sauf que on a aussi comme impression que ces étrangers sont plus choyés que les nationaux. Lorsque vous avez un problème avec un Nigérien, un Malien, etc., on a vite fait de vous coller le bec au profit. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Hein. Bon, les gens le disent, parfois c'est le cas. Mais généralement, non, je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être que les Togolais voudraient être plus protégés quand ils ont des problèmes avec des étrangers, parce que dans certains pays, c'est un peu ça. Quand vous êtes étranger, vos droits ne sont pas souvent reconnus. Donc, quand vous avez des problèmes avec des nationaux, vous êtes bien parti pour perdre. Donc, peut-être que les Togolais souhaiteraient aussi un peu que le gouvernement se comporte comme ça. Mais je ne crois pas que véritablement ces étrangers-là ont une certaine préséance ou une certaine domination sur les nationaux. C'est vrai qu'ils dominent certains secteurs, comme le secteur du commerce par exemple, où on peut estimer que les étrangers sont beaucoup plus en avance que les Togolais. Mais comme je l'ai dit, c'est le pays qui est ouvert aux investissements étrangers. Et en même temps aussi, c'est un peu de notre faute en tant que nationaux, parce que nous vivons sur un territoire vierge où tout est vierge. Et quand l'étranger vient, il se rend compte qu'il n'y a pas ceci au Togo. Mais nous, comme on est dans l'environnement, soit parce qu'on ne fait pas d'efforts, soit par ignorance, on ne voit pas ces opportunités. Mais quand lui arrive, il voit qu'il y a des choses chez lui qu'il n'y a pas ici, ou il y a des choses qui peuvent marcher ici que personne n'exploite. Donc, il se met dedans, et donc c'est normal qu'il fasse de l'argent, et c'est nous qui achetons. Et après, bon, c'est vrai, on pourra dire, mais je crois qu'il faut éviter, parce que nous aussi, nous avons des Togolais un peu partout aussi à l'étranger qui sont dans les affaires, et qui sont même dans des affaires qui prospèrent. Hein. J'en ai rencontré, je suis même en relation avec un certain nombre de Togolais par moment, bon, qui se développent pas mal. Donc aujourd'hui, le monde est beaucoup plus ouvert, malgré les lois qui restreignent un peu l'immigration dans certains pays, mais on peut toujours aller de façon légale. On peut toujours travailler pour s'épanouir. Donc là, il y a un séminaire, il y a un colloque qui vient de s'achever à l'université de Lomé, organisé par la clinique de l'expertise juridique et sociale sur l'immigration. Donc ça a été une très bonne occasion pour échanger sur ces questions-là. Pour revenir à votre question, oui, c'est vrai, les Togolais font parfois ce genre de reproches à leurs autorités, surtout en matière judiciaire, où on estime que on a une justice un peu corrompue, et comme les étrangers sont dans les affaires et ont plus de moyens, donc ils arrivent à influencer le cours de la justice. Mais en même temps, je crois qu'il y a le droit qui est là, et si un Togolais a vraiment raison, ça va être très compliqué de tordre le cou au droit. Donc maintenant, c'est quand il faut accorder des faveurs qu'on peut dire, bon, on aurait souhaité en tant que nationaux profiter quand même du droit que nous confère le sol qui est le nôtre, mais
Après, je crois que nous avons aujourd'hui des systèmes au niveau international comme l'OADA qui cherche à harmoniser la loi et la justice dans tous les pays pour que chacun, partout où il est, puisse s'établir et exercer ses activités librement. Merci Germain, parfaitement satisfait par la réponse par rapport à cette question qui fuse un peu parce que à chaque fois que l'occasion se présente, les Togolais se sentent lésés sur certains aspects. Et je crois que les raisons évoquées tout à l'heure sont à prendre au sérieux. Alors nous espérons connaître le nombre que nous sommes dans les jours à venir. On va égrener notre chapitre, la cagnotte prévisionnelle pour l'année 2023 a été adoptée en Conseil des ministres le vendredi surpassé, c'était le 11. On note une hausse par rapport à celle de l'année passée avec un accent mis sur le secteur social. Et c'est surtout cet aspect qui a retenu l'attention de quelques confrères. Donc voici les commentaires que je vous présente en live. Le sujet de l'État pourra être de le budget de l'État pourra être de 1957,9 milliards de francs CFA l'année prochaine. C'est la projection de l'avant-projet de loi de finances exercice 2023 adopté en Conseil des ministres le vendredi 11 novembre 2022. Apprend-on du quotidien national Togo Press. Le journal poursuit et dit que il précise que les mesures sociales prises en 2022 contre la vie chère seront poursuivies. Ce budget relève Méga Info ferait la part belle aux secteurs sociaux selon le journal qui s'appuie sur le compte rendu du Conseil des ministres et du secteur comme celui du il s'appuie donc sur le Conseil des ministres des secteurs comme celui du transport, des travaux publics, de l'éducation pour ne citer que ceux-là feront l'objet d'une attention particulière au cours de l'exercice 2023. Selon l'Union pour la patrie, c'est banalement 50% du budget qui sera consacré au social dans les 1957,9 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience des populations et atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie. Mieux soutenir le secteur social, c'est la préoccupation du président Faure Gnassingbé, comme le souligne chronique de la semaine. Budget 2023, moins de discours politiques que le social l'emporte, c'est le vœu cher à flambeau des démocrates qui saluent la loi et demandent son application effective. Élargissement d'exonération de la TVA sur les cantines scolaires à celles des universités et entreprises revues à la baisse de droits et taxes de douane en faveur du secteur du bâtiment et travaux publics. Voilà des actes ou actions concrètes que projette le gouvernement togolais à travers cette loi de finances, comme le précise l'ADEME. Pendant que les gens jubilent en attendant 2023, l'alternative trouve que tout ça n'est que le reflet d'une arnaque et de la propagande. Au social, pourra-t-elle être respectée, surtout lorsqu'on sait que l'année 2023 est une année électorale de grande envergure, notamment les régionales et les législatives. C'est une question que je vous pose. Est-ce que le secteur social qui est mis en avant pourra être vraiment respecté lorsqu'on sait qu'il y a des enjeux politiques d'envergure qui nous attendent, tels que les législatives et les régionales?
Bon, il faut dire que le projet social a été porté par le président aux élections de 2020, donc de février 2020. Donc il a dit assez clairement que son mandat sera un mandat social. Donc sur les 5 prochaines années à partir de 2020, l'accent sera beaucoup plus mis sur, porté sur le social. Donc ça c'est un fait. Et donc depuis son élection, le chef de l'État travaille à ce que le social soit effectivement le secteur le mieux garni, donc en termes de réalisation. N'eût été donc cette pandémie-là qui a donné un coup dur à l'économie togolaise comme aux autres économies du monde, on aurait beaucoup plus senti les effets de ces politiques-là, mais on l'a ressenti pendant cette période de Covid avec des ambitieux projets comme celui des transferts monétaires. Non, ici, pour toucher un certain nombre des Togolais démunis, on a vu un peu au niveau de l'éducation la suppression ou la réduction de certains frais de scolarité, de certaines dépenses donc pour les parents. On a vu au niveau de la santé aussi la gratuité d'un certain nombre de prises en charge. Donc ce sont des mesures sociales assez importantes donc, qui ont été prises déjà depuis donc, l'élection, la réélection du président de la République. Donc il est un peu dans cette ligne et dans cette lignée. Et je ne crois pas que le budget 2023 soit destiné aux élections régionales et législatives pour faire plaisir aux populations. Non, pas du tout. Il s'agit d'un processus qui est lancé depuis 2 ans, qui a connu des faiblissements parce qu'il y avait une certaine crise. La capacité de mobilisation a été un peu réduite, même si elle n'a pas été totalement. Donc, c'est la poursuite. Et on a vu aussi dans le sens de l'électrification des zones rurales des choses extraordinaires qui se font pour apporter la lumière dans les contrées les plus reculées, parce que il n'y a pas de développement sans énergie. Il en va de même aussi pour les télécommunications et la digitalisation. Donc tous ces aspects, ça n'a rien à voir avec les élections. Maintenant, c'est vrai que on est assez surpris agréablement que plus de 40% et certains annoncent même près de 50% donc de ce budget là soit consacré au social. Ça va être quelque chose de formidable. Maintenant certains doutent, je ne crois pas, je pense pas qu'il faut douter, parce que aujourd'hui avec un autre phénomène qu'on a eu avec l'insécurité et le terrorisme donc dans le nord du pays, il y a eu ce projet d'urgence, ce projet d'urgence dans les savanes. C'est-à-dire qu'il y a des projets qu'il faut pouvoir réaliser pour combattre efficacement la pauvreté, pour apporter une autre solution que la solution militaire qui est déployée dans cette zone, pour que la population ne soit pas tentée d'être engagés dans ces groupes djihadistes là. Donc il faut régler le problème de l'emploi des jeunes, il faut régler le problème de pauvreté lié à l'agriculture, à l'eau, à un certain nombre de choses. Et dans l'État a concentré certaines dépenses dans cette région là qu'il faut satisfaire dans un temps relativement court. C'était des projets qui existaient un peu comme partout dans le pays, mais aujourd'hui on a concentré plus d'efforts donc dans cette zone-là, parce qu'il y a une urgence sécuritaire. Donc tout ça fait que le volet social ne peut que prendre beaucoup plus d'ampleur. Je ne pense pas que c'est démagogique. Je pense qu'il s'agit tout simplement du respect d'une promesse électorale. En même temps, même si ce n'était pas une promesse électorale, c'est le rôle d'un président de pouvoir permettre à ces populations de vivre mieux, surtout les couches les plus défavorisées, donc de permettre à la société de vivre mieux. Et donc c'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, on attend aussi la réalisation de tout ce qui est prévu avant de pouvoir applaudir. Mais
quand même, il y a des signaux, comme je le disais, depuis 2 ans, depuis l'élection du président, qui font que c'est une suite logique du respect de la parole donnée lors d'une campagne électorale qui avait dit clairement que ce mandat sera un mandat social. Pour le moment, c'est un projet de loi. On attend que l'Assemblée nationale valide. Oui, mais généralement, l'Assemblée valide parce que pour deux raisons. La première, c'est que ceux qui sont au pouvoir ont une majorité à l'Assemblée et quand ils ont établissent un projet ou un programme, il est du rôle de cette assemblée de leur donner les moyens pour les réaliser, donc de voter les lois qui permettent donc la réalisation de ces programmes-là. Donc comme aujourd'hui Unir est au pouvoir, il soumet un projet de loi, c'est fort possible et logique d'ailleurs que sa majorité donc lui accorde son onction. Et deuxième élément aussi, c'est, vous savez que nos pays ne sont pas aussi indépendant qu'on le dit. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au Ghana avec toutes les difficultés, et ce pays qui appelle le FMI à la rescousse au secours et qui attend donc un prêt de plus de 3 milliards de dollars, et nous sommes réputés être parmi les bons élèves de ces institutions de Bretton Woods là, parce que il y a un certain assainissement des finances publiques, même s'il n'est pas total, même si beaucoup reste à faire, qui fait quand même que le Togo réussit à mobiliser beaucoup plus qu'avant. Vous savez que là, on est en train d'approcher 2 000 milliards de budget, c'est pratiquement ça. Avant, il y a quelques années, on rêvait d'avoir un budget de 1 000 milliards. Ce qu'on a dépassé depuis quelques années déjà, et là, on passe à 2 000 milliards, ce qui est une bonne chose. Et donc c'est parce que le Togo travaille avec ces institutions là qui viennent valider la plupart des budgets dans le pays avant que ça ne passe. Et c'est aussi, il y a des institutions comme le PNUD qui depuis quelques années aussi forment nos députés pour mieux analyser le budget avant de le voter, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons des députés qui sont capables de lire le budget, de faire des observations. Et donc là, il y a une certaine opposition à l'Assemblée. L'opposition n'est pas totalement unie. L'Assemblée n'est pas totalement unie. Donc c'est sûr que du côté de l'opposition, il y aura quelques réserves qui pourront être émises ou soulevées. Il peut y avoir des réticences. Et donc on attendra de voir. Mais je pense que ce budget va passer à partir du moment où c'est Unir qui a la majorité et que cette majorité-là a le devoir d'accompagner le gouvernement pour qu'il puisse mettre en œuvre sa politique. Merci, nous espérons. À présent, on va encore parler de social. Il y a eu également question au cours d'un forum national tenu à Accra, une feuille de route du dialogue social. Il a été adopté par les acteurs en présence et les partenaires sociaux, chose que la presse a voulu également partager avec ses lecteurs, et dont je vous présente aussi quelques traces. Des conditions d'une paix sociale durable pour soutenir la productivité des entreprises et des administrations publiques, puis consolider les progrès sociaux. C'est l'objectif visé par un forum national sur le dialogue social dont la feuille de route a été adoptée et signée à Cara, comme on peut le lire dans, à la une donc, du journal Nouvelle Opinion. Ce forum, précise chronique de la semaine, aurait été consacré à l'état des lieux, au bilan et aux perspectives de ce dialogue social de 2006 à ce jour. Les participants à ce forum auraient saisi l'occasion pour partager leurs expériences sur les bonnes pratiques en la matière, puis aborder les notions de liberté syndicale et du droit de grève. Axée sur 18 points, cette feuille de route renferme des actions à mener
par les principaux acteurs du Conseil national du dialogue social, précise Ouara les vainqueurs. Alors, jamais encore le social au centre des préoccupations du gouvernement. Alors, il faut dire que vraiment, le gouvernement veut franchement finir avec les problèmes sociaux. Oui, c'est la priorité du gouvernement actuellement. On a besoin d'une paix sociale et on a besoin de se tourner aussi vers la productivité des entreprises et de l'administration publique. Et donc, l'idée de ce forum, c'était comment ériger le dialogue en instrument pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Je crois que c'est une initiative à saluer parce que quand on prend déjà la façon dont la rentrée scolaire cette année s'est déroulée, on comprend que les acteurs qui sont au sein de ce dialogue-là ont respecté la trêve que le gouvernement avait proposée entre-temps, donc une trêve de 2 ans, je pense, pour permettre de mieux asseoir les choses. Et c'est dire que le conflit en général fait partie des rapports entre l'État et ses partenaires sociaux, entre les employeurs en général et les employés. Et donc vous avez parlé des conditions de droit de grève et tout ça. Et donc ici, l'État a pris sur lui de mettre en place un cadre permanent de dialogue pour éviter les conflits. Et c'est vrai que de temps en temps il y en a eu, mais ça a été réglé. Aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à trouver des solutions par le dialogue. Et c'est pour cela que le ministre Gilbert Barrera de la fonction publique et de la réforme administrative, avec le soutien du PNUD, a pu organiser donc cette rencontre-là, qui s'est achevée, comme vous l'avez relevé, avec l'adoption d'une feuille de route. Et en résumé, l'État s'engage quand même à accompagner les partenaires sociaux pour qu'ils puissent mieux jouer leur rôle dans ce qui est en train d'être fait au Togo en termes de stabilité du pays, de la paix sociale et surtout du développement, parce qu'il y a des changements en cours dans des domaines comme l'éducation, dans des domaines comme le digital, dans des domaines comme l'agriculture et un certain nombre de choses. Donc la santé, l'État va accompagner dans les partenaires sociaux et donc en retour eux aussi vont contribuer au développement du pays dans le cadre de tout ce qui est en train d'être fait. Et je crois que c'est une bonne chose. On n'a pas besoin de conflits, on a besoin de tranquillité pour que chacun puisse aller au plus essentiel qui est le développement, surtout en ce moment où le pays est aussi menacé par le terrorisme. C'est une raison de plus pour ne pas éparpiller nos énergies. On veut se développer. Actuellement, il y a le terrorisme qui nous détourne un peu de ça. Si maintenant il y a des crises sociales dans le pays et des bouleversements sociaux importants, je crois que on va disperser nos énergies, les objectifs ne pourront pas être atteints. Donc c'est vraiment saluer, surtout saluer les partenaires du gouvernement qui, une fois encore, ont fait preuve de responsabilité, ont mis l'intérêt national en avant plutôt que les intérêts personnels pour qu'ensemble on avance vers le développement. Je pense aussi qu'il faut féliciter le ministre de la fonction publique, le gouvernement en général, pour avoir érigé le dialogue en outil pour trouver des solutions au niveau du pays. Et si chaque acteur joue son rôle, je crois que notre pays dans l'avenir se portera bien. C'est vrai, parce que depuis que ce dialogue a été initié, on a comme l'impression qu'il y a moins d'agitation maintenant dans le secteur du monde du travail. Et prouve que effectivement, si les gens mettent le dialogue au centre de leur préoccupation, ils peuvent s'entendre sur le terrain. Mais cependant, on dirait que c'est
rien n'a changé dans le quotidien du Togolais. Et est-ce qu'on peut espérer que les 18, cette feuille de route en 18 points pourra, dans un bref délai, avoir un impact positif sur le vécu quotidien? Une chose, qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'il n'y ait pas d'agitation, et qu'on ait des dialogues en dialogue, mais l'autre chose, c'est que vraiment on sente la répercussion, ou du moins cet impact dans le plat du Togolais lambda. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a changé? Moi, je dirais non. Beaucoup de choses ont changé, même si ce n'est pas la satisfaction totale. Beaucoup de choses ont changé. La dernière décision déjà du gouvernement en termes dans les 10 mesures prises pour lutter contre la vie chère, je crois que le gouvernement a fait un effort en faveur de ses partenaires avec cette augmentation de 10%, avec le fait de la suppression de la dette, le prêt qu'il avait consenti qui ne devait pas être remboursé. Il y a eu des primes aussi de 15 000, je pense, de déplacements qui ont été augmentés, 10 000 augmentés. Donc il y a un effort qui a été fait. Donc on ne peut pas dire que c'est largement suffisant pour combattre la vie chère, mais ça a été fait. Dans le privé, il n'y a pas eu ça. Aucun privé, bon, je ne vais pas exagérer, je n'ai pas toute l'information, mais on n'a pas beaucoup vu des privés qui se sont illustrés dans ce domaine. On a vu même récemment les syndicats des banques et des assurances qui sont montés au créneau pour dire que voilà, le gouvernement a demandé à ce que chacun fasse l'effort pour ces travailleurs. Le gouvernement a augmenté, mais au niveau de leurs responsables, rien n'a été fait. Bon, eux, au moins, on peut dire qu'ils ont un peu de moyens, c'est des banquiers, mais dans d'autres secteurs, ça n'a pas été, il n'y a rien du tout qui a été fait. On comprend aussi la situation parce qu'il y a eu cette Covid, il y a eu la, après il y a la guerre aussi, qui tout ça sur les entreprises privées, donc souffrent énormément, donc ne peut pas suivre. Donc pour les emplois de l'État, leurs partenaires, je crois que il y a eu quand même quelque chose qui a été fait récemment. Mais bien avant cela, on ne peut pas dire que les gens sont mal payés dans l'administration. Comparé au privé, quand on le dit, on va dire qu'on envie beaucoup les emplois de l'État, mais des efforts ont été faits. C'est pas pour dire qu'ils sont au paradis et qu'ils gagnent trop bien leur vie, mais je crois quand vous prenez, si vous voyez, non, il y a un mieux, pas léger, c'est des gens ont vu leur salaire doubler. Certains même ont eu des augmentations de plus de 300%. On en connaît, bon, on va pas parler de ça, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. Peut-être qu'ils étaient très mal payés avant. Aujourd'hui, ils sont mieux payés, mais ils ne sont pas au bout de leur peine parce que la vie reste toujours seule. Mais c'est qu'il faut saluer les avancées et espérer et encourager ceux qui sont à l'origine de ces avancées-là à continuer dans ce sens. D'accord. Une dernière curiosité par rapport à ça. Avez-vous une idée sur le SMIC dont on a annoncé l'augmentation? Je ne sais pas jusqu'à présent. Non, non, le gouvernement n'a pas augmenté le SMIC parce qu'il estime qu'il faut discuter avec les entreprises privées d'abord. Mais le gouvernement n'a pas un problème de SMIC parce que tous les agents, tous les agents de l'État gagnent au-delà du SMIC. Donc même si on augmente le SMIC aujourd'hui, c'est essentiellement pour les privés. Or, le gouvernement dit qu'il est en discussion et il exhorte le privé à faire un effort. Mmh. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les entreprises ont des difficultés pour se relancer économiquement. Et dans ces conditions, on ne peut pas demander aux entreprises d'augmenter le SMIC. Donc, l'État est obligé de leur laisser du temps pour qu'elles se remettent des effets de la Covid et de la crise actuelle. Donc,
à mon avis, ça va prendre encore un peu de temps parce que je ne vois pas de patron d'entreprise qui, dans ces circonstances-là, à moins qu'il ait une entreprise qui a pris, qui est totalement relancée. Donc aujourd'hui, c'est maintenant que les entreprises se relancent un peu, sortent un peu des difficultés, et augmenter la masse salariale dans ces conditions, ça va être difficile. Mais après, même si on n'augmente pas dans l'immédiat, il faut que ces entreprises-là discutent avec leur personnel. Il faut leur expliquer la situation, et leur faire des promesses. Il faut dire ben, peut-être d'ici 18 mois, et on n'en sait rien, 12 mois, 1 an, 2 ans, on pourra augmenter, mais l'État n'attend que le privé pour pouvoir annoncer le SMIC, parce que annoncer ça comme ça, alors que les gens sont incapables de payer, ça va être compliqué. Donc je pense aussi que l'État aussi doit faire l'effort d'aider les entreprises, parce qu'il y a eu dans certains pays des programmes pour soutenir la relance des activités. L'État est allé chercher de l'argent pour pouvoir appuyer certaines entreprises financièrement pour qu'elles puissent reprendre la route, parce que ces entreprises, quoi qu'on dise, même si elles font des bénéfices pour elles-mêmes, aident aussi l'État. Elles aident l'État à contenir les jeunes, parce que les jeunes trouvent du boulot. C'est un problème de moins pour l'État. Si les entreprises se portent bien et qu'elles emploient les jeunes, c'est un problème de moins pour l'État. Et donc, l'État, c'est difficile, on le sait, mais l'État peut peut-être aller sur le marché international et chercher des capitaux pour accompagner un peu certaines entreprises qui sont réellement dans les difficultés du fait de ces deux crises-là dont on a parlé, la Covid et puis la guerre en Ukraine. Merci. Le Bengale a encore été la cible d'une attaque terroriste, heureusement repoussée par nos vaillants éléments des forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous avons appris des réseaux sociaux continués par votre magazine, le magazine Togo Réveil. Donc votre magazine, que s'est-il encore passé alors qu'on les croyait loin de nos frontières, ces terroristes? Alors qu'on les croyait loin de nos frontières, pas trop loin quand même, quand on sait qu'ils sont juste à côté au Burkina Faso. Qui n'est pas trop loin de nos frontières, même si aujourd'hui, après le dernier coup d'État, il y a une volonté des nouvelles autorités burkinabées de mieux combattre le phénomène, il n'en demeure pas que la situation n'a pas du tout changé au Burkina, et comme tel, nous sommes toujours sous menace, parce que ce sont des gens qui viennent du Burkina, qui nous attaquent et qui replient au Burkina. Donc nous ne sommes pas à l'abri, nous n'avons jamais été à l'abri. Il y avait eu un temps d'accalmie parce que nos forces de défense se sont mobilisées et essaient de contrôler la zone, essaient de la protéger, mais n'empêche qu'à tout moment nos forces de sécurité sont sous menace de ces attaques. C'est ce qui s'est passé donc le jeudi dernier, où une patrouille de nos forces de défense et de sécurité a été attaquée par un groupe de terroristes assez nombreux dont on ne connaît pas le nombre, mais ils étaient quand même assez nombreux. Et il y a eu une réaction prompte et vigoureuse donc de nos forces de sécurité, qu'il faut saluer au passage, parce que c'est des gens qui risquent leur vie chaque jour pour que nous ici on soit protégés, qu'on puisse faire notre travail, qu'on puisse vivre dans la quiétude. Donc ils ont été attaqués et malheureusement je pense que deux de nos forces de sécurité ont été blessés dans cette attaque et ont été pris en charge donc au CHR de Dapparan. Maintenant, il y a eu quand même un renfort qui a été envoyé et les Togolais sont en train donc de faire un ratissage dans la zone pour essayer de sécuriser, mais c'est pas facile comme on le dit. Ce ne sont pas des gens qui sont au Togo, c'est des gens qui viennent,
qui attaque et qui replie, et de l'autre côté, il n'y a rien qui les prend en tenaille. Donc, ils sont tellement libres au Burkina que c'est assez compliqué pour le Togo dans ces conditions-là de pouvoir les contenir. Donc, vivement que les nouvelles autorités de Burkina prennent beaucoup plus le problème au sérieux et se donne surtout les moyens de le combattre véritablement et pour pouvoir soulager un peu nos forces de défense et de sécurité. Mais ça reste un problème global et aujourd'hui tous les pays aujourd'hui dans notre sous-région sont touchés et on ne sait pas combien de temps ça prendra pour pouvoir contenir cette crise-là. On peut que prier pour nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, donc qui sont au front, qui risquent chaque jour leur vie pour nous protéger de tout cela. On termine avec ce clin d'œil au Sahel qui fait parler de lui depuis plusieurs mois, voire bientôt un an, alors que les 46 militaires ivoiriens sont toujours en détention au Mali. Ce sont les forces spéciales françaises qui sont priées de s'en aller. Situation presque similaire au Burkina Faso, où le jeune Ibrahim Traoré, à la tête de la transition, multiplie des stratégies pour faire face aux éventualités. Alors, globalement, que dit de ce qui se passe dans cette partie du Sahel, où chaque jour, que ce soit sur la chaîne internationale ou nationale, il n'y a pas un jour ou une édition de journal où on ne parle pas de cette partie du quotidien. Bon, je crois que le problème, on le connaît, qui nous touche tous aujourd'hui, c'est le problème du terrorisme. Donc, depuis quelques années, à l'appel du gouvernement malien, il y a une force française qui s'est installée au Mali. Mais malheureusement, aujourd'hui, plus de 10 ans après, le constat, c'est qu'une bonne partie du pays est occupée par les groupes djihadistes. Et le nouveau gouvernement issu d'un coup d'État qui a promis de prendre le problème au sérieux, de le régler. Donc ce gouvernement a trouvé une autre stratégie, c'est simplement demander à la force Barkhane, qui a été remplacée en tout temps par la force européenne Takuba, donc de plier bagages. Et donc il a en retour fait venir les Russes pour aider l'armée malienne donc à combattre le djihadisme. Donc la force Barkhane est partie, il y a eu un calendrier assez rapide pour son départ. Une partie de cette force est installée au Niger, l'autre va replier. Donc aujourd'hui la tendance dans certains pays, c'est de demander pas à la force Barkhane de partir parce qu'elle n'est pas dans tous les pays, mais c'est de demander à la France de partir. Mais c'est beaucoup plus dans les certains groupes de la société civile africaine de cette partie du continent qui semble prendre en estime aujourd'hui la Russie et qui appelle plutôt au remplacement d'une coopération militaire française par une coopération militaire russe. Mais après, je pense que c'est le jeune capitaine de Burkina Faso qui appréhende mieux le problème parce que lui, il n'a pas envie de faire venir les Russes, même s'il veut demander aux Français de partir ou de ne pas venir. Il compte quand même sur le Burkinabé pour régler le problème. Donc, il travaille déjà le moral des forces de sécurité qui sont déjà sur le front depuis des années. Mais en même temps, il est en train de recruter des jeunes volontaires pour appuyer cette lutte-là. Et moi, je crois que c'est un peu cette solution qu'il nous faut. Compter sur nous-mêmes que de compter sur des forces étrangères. La France a montré qu'elle n'a pas été capable de régler. La Russie aussi, ça m'étonnerait qu'elle soit capable de régler cette affaire. Voilà, donc il faut que nous-mêmes nous prenions nos responsabilités. D'accord. Merci, Germain Pouli. C'est tout pour aujourd'hui. Le temps qui nous est imparti est terminé. Vous avez valablement assuré.
les 60 minutes ne nous ont pas annulés. Merci une fois encore pour votre disponibilité qui ne nous a jamais fait un dépôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis d'ici et d'ailleurs à travers le monde grâce à vos applications Facebook et YouTube. Merci à l'équipe technique qui m'a assuré l'accompagnement. Et elle est composée de Ibrahim Mati au cadrage et de Tchalim Alexandre à la mise en orbite. C'est donc tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne fin et un bon début de semaine. Bon retour chez vous, jamais, et bien des choses une fois encore à vos collaborateurs. On se sépare sur cette pensée de Chinua Achebe qui dit: celui qui cultive un champ de maïs au bord du chemin a les mêmes ennuis que le mari d'une belle femme. Celui qui cultive un champ de maïs au bord du chemin a les mêmes ennuis que le mari d'une belle femme. Chinua Achebe, portez-vous bien et à dimanche. Thank you.